Wesh les potos, c'est Sois Cool au Mike et petite information en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un AverMedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3 du pass de combat de la saison 4. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement l'étoile secrète, l'étoile cachée qu'on obtient quand on finit tous les défis de la semaine. Alors tout simplement dans la super production, voilà, vous quand vous finissez chaque semaine vous débloquez à chaque fois une image secrète. Donc l'image secrète tout simplement cette fois-ci c'est celle-ci, donc on peut voir 4 super-héros qui analysent la carte de Fortnite et en fait près du petit ruisseau, donc la longue ligne là qui va jusqu'à Loot Lake, donc le ruisseau quoi, moi j'appelle ça comme ça, et ben près du ruisseau en bas il y a une petite étoile bleue bien cachée, enfin bien dissimulée sur la map. Et en fait, elle est sur une petite montagne. Donc, de toute façon, je vais lancer la partie. J'ai sélectionné l'image. Vous allez la voir en plus grand. Alors, je vais tout simplement vous montrer l'emplacement exact. Et cette étoile vous donnera 10 étoiles. Donc, un palier complet. Ou alors, si vous avez fini vos paliers, ça vous donnera 1000 XP, les potos. Donc, voilà. Là, on peut voir près du ruisseau. Donc, je vais faire un petit zoom au montage. Mais on peut voir une étoile dorée en bleu, en fait, bleutée comme ça. Donc, tout simplement pour la dissimuler sur la carte, pour que ce soit un petit peu plus difficile pour la trouver. Donc, tout simplement, on reconnaît bien que c'est cette montagne-ci. Ne vous trompez pas avec celle-là, hein, ce n'est pas celle-là, c'est bien celle-ci. Voilà, c'est bien celle-ci, voilà. Donc, voilà, on va aller tout simplement sur cette montagne et on va aller récupérer ben, notre étoile secrète, notre récompense de la semaine 3. Et voilà, j'y arrive, donc j'ouvre déjà mon parachute. Regardez, c'est à côté de Fatal Field, donc ne vous trompez pas. Près du cratère justement là en bas. Donc c'est entre les trois arbres normalement. Donc ouais voilà, c'est juste là entre les trois arbres, là où il y a la petite tache de terre je pense. On va bien voir de toute façon, on y arrive dans 3, 2, 1, go. Voilà. Donc maintenant on va essayer de prendre une belle petite miniature. Donc avec ben, Lucky Landing juste derrière, ce serait pas mal, voilà comme ça. On va faire une petite danse de jubilation, voilà, on est content, on a trouvé l'étoile secrète, youhou! Et après, ben, tout simplement, on va la prendre. Donc, maintenant, ce que vous faites, soit vous faites top 1, si vous êtes un PGM, ben, vous faites top 1. Si vous n'avez pas le temps, ben, vous vous suicidez comme moi, j'ai pas le temps, faut que j'y aille, je vais être en retard sinon. Et sinon, ben, vous devez vous faire tuer par un ennemi, vous ne pouvez pas... quitter la partie parce que si vous quittez la partie votre étoile ne sera pas comptabilisée. Donc nous allons sauter et essayer de s'envoler. Ah ben non, on n'est pas réussi. Donc voilà, quand je suis mort ça valide l'étoile secrète que j'ai découverte. Donc là on fait rond, on revient en arrière, on attend que le chargement soit terminé. Voilà, c'est terminé et maintenant on gagne un palier. Voilà, nickel, 10 XP supplémentaires pour moi personnel, 10% d'XP supplémentaires, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, vous pouvez voir que je suis palier 49 et quand j'ai commencé la vidéo, j'étais palier 48. Donc voilà, maintenant, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était un petit tuto assez rapide. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace.